Oui, nous avons commis Maître Amadou Diallo, qui est avocat, qui a un cabinet à Dakar et un cabinet aussi à Ziguinchor, qui est de Ziguinchor, originaire de Ziguinchor, pour assister la famille afin qu'évidemment elle puisse obtenir une justice suite au décès de Landing. Donc Maître Diallo reviendra bientôt à Ziguinchor pour aider la famille à déposer plainte. À suivre la plainte, à faire en sorte qu'elle soit instruite et que, évidemment, justice soit rendue à la famille. Donc, nous supporterons toutes les charges liées à la procédure. Ici au Sénégal, mais si la procédure au Sénégal ne bouge pas d'ici un an, nous allons saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour que, évidemment, elle puisse rendre justice à la famille. Je peux vous dire aujourd'hui que pour toutes les personnes décédées à Ziguinchor, nous travaillons depuis bientôt un an à constituer un dossier solide que nous allons déposer bientôt au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO et au niveau du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Nous avons quelques difficultés parce que les parents n'avaient pas déclaré les décès des enfants et donc il faut déclarer évidemment ces décès. Il faut ensuite trouver des certificats d'hérédité parce que devant les juridictions régionales et internationales, ceux qui, évidemment, font du recours, c'est-à-dire les familles, doivent montrer qu'elles ont intérêt à agir. Donc, elles doivent présenter les certificats d'hérédité qui montrent qu'elles sont des héritiers de la personne décédée. Et donc, la procédure d'obtention des certificats de décès, qui ont une procédure aussi longue que la procédure de déclaration d'une naissance, a pris du temps. Ensuite, il faut maintenant les certificats d'hérédité. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce sont tous les membres de la famille qui doivent être évidemment cités dans les certificats. Et parfois, il y a des erreurs matérielles. La même maman porte le nom de la même maman est écrit différemment dans les différents bulletins de naissance ou le nom du papa est écrit différemment dans le même bulletin de naissance. Donc, nous avons ces difficultés, mais avec les tribunaux d'instance de Bignona, de Ziguinchor, nous travaillons pour que rapidement ces familles aient les certificats d'hérédité et que les procédures puissent être engagées au niveau de la Cour de la CEDEAO.